Je vous parle d'un temps que les plus de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ned Games en ce temps-là ne vendait plus de Sega, on mettait des lunettes. Mais la 3D active et la 3D passive sont complètement dépassées. Maintenant on ne se voit plus, on ne s'entend même plus. Triste réalité, la VR, la VR, ça voudrait dire que c'est du sérieux. La VR, la VR, ça ne veut pas dire qu'on est trop vieux. Gordon 2A pour Games 2A TV. Alors nous sommes allés à la Corsica Arena pour tester la VR. Oui, une espèce de jeu laser game en réalité virtuelle. Je ne vous en dis pas plus. Voyez tout ça après le générique. Générique. À la Corsica Arena, donc on va aller voir les différentes activités qu'ils nous proposent, les tarifs, tout ça, on va voir. Que vous avez payé, c'est le fort que vous avez payé. Si j'avais droit aussi. Donc on est tatoué, on peut y aller. Zone VR, zone VR, comme vous voyez ici. Donc il y a du bowling, des billards. Une sorte de bande d'arcade de Pac-Man. Ouais, trampozone. Écoutez, si j'avais pas mangé tant de saloperies, je crois qu'on serait allé faire du trampoline. Mais bon, on est passé par le Burger King juste avant. Ah, une petite bande d'arcade. Multi-jeu avec l'écran vertical. L'écran 16:9 en vertical. Oui, voilà le petit détail qui fait plaisir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Surtout à éviter. Donc allons-y, c'est pas grave. Non, personne n'a fait du VR. Hein. Personne. Ça, il y a de la VR, mais pas ici. Ça. Non, ici. Sur PS4. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux mondes différents. Hein. Alors, et si vous avez avec du jeu, d'accord, du zombie, on fait un mode zombie. Il y a, je sais pas, vous avez plusieurs modes. Ouais, une mode. Si je m'évitais de passer pour un couillon sur la vidéo, ça va pas. Ouais, il y avait des champignons à tuer, des trucs comme ça. Non, alors j'ai deux jeux. J'ai Contagion, donc c'est un jeu de zombies, d'accord, ouais. Et Virtual Arena, c'est un peu un Call of Duty en fait, on va dire. Ah, ouais. Soit c'est 3 contre 3, vous êtes 6, soit du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Ah, okay. Ah ouais, on peut faire par équipe. Le solitaire. Équipe 3 contre 3, et alors c'est soit un match par équipe, soit un camion drapeau. Un petit bon petit CTF. Un petit peu, c'est ça. CTF en équipe, ou alors du solo. Alors, du boulot général. Ou alors le mode zombie standard, 6 contre les zombies. C'est une coop. Oui. Ah, 6 en coop. Oui, c'est peut-être mieux, non? Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Moi, c'est bon, j'ai un caleçon propre dans le... Attends, j'ai pas le droit. Mon à dire ou quoi? Moi les zombies, bof, hein. Ah là là, mais si on est là pour les dégommer, c'est bon. Ouais. Allez, moi zombie. Ouais. Moi je suis toujours le mec qui. Il y en a un qui se met dans mon dos comme ça. Tu fermes les yeux. Il y a un zombie, tu fermes les yeux, d'accord? Ah oui, pas peur. C'est pas des vrais, on est d'accord? Non. Bah voilà, tu vois, c'est pas des vrais. Je vous déteste. Je vous déteste tout ce que vous êtes. Vous mettez les règles du jeu sur l'écran. Ok. Juste avant, ce qui était gaucher. Ouais. Première. Enfin, je suis en vitesse. C'est pas grave. On va voir s'il n'y a pas de gaucher, plus réduire. Non? Ok. La prochaine fois qu'on te demande si t'es gaucher, tu... Je vais vous expliquer les règles du jeu. Dans ce mode de jeu, le but est de survivre avec le plus de points possible. Pour tirer, appuyez sur la gâchette. Les points de vie et le score sont indiqués sur votre avant-bras. Pour ramasser des objets, il suffit simplement de marcher dessus. Ah, ça c'est bien. Pour les zombies de base, il est préférable de viser la tête. Pour les zombies blindés, il est important de viser la zone non blindée.
Les zombies explosifs et les zombies toxiques se déplacent très rapidement. Il ne faut pas les laisser s'approcher trop près de vous. Vous verrez une délimitation rouge sur le sol. Vous ne devez en aucun cas franchir cette limite, sinon vous risquez de rentrer en collision avec les murs. Lorsque vous vous approchez de la limite rouge, un quadrillage transparent apparaît, qui vous indique le périmètre à ne surtout pas franchir. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour remporter la partie et être le meilleur. Toute l'équipe de Virtual Game Park vous souhaite une bonne partie, amusez-vous bien, et surtout, bonne chance. Au niveau de l'arme, on a deux gâchettes, ok? Celle-ci, pour tirer, d'accord? Et ici, pour le mode de tir, automatique, ici. D'accord, ok. Automatique, coup par coup, lance-grenade, rafale, ok? Des questions? En endroit, c'est taper dessus. Tu sais. Non. On peut taper sur les zombies comme ça, là, mettre une carte. On peut, mais ah, ça va pas. Ça y est, je suis pas. Ah, tu me donnes la suite. Mais sinon, est-ce qu'on va se blesser un peu? Ouais, je peux. Juste, je t'allonge pas par terre. Parce que nous, on va quitter. Non, par contre, t'es avec moi, c'est pas pareil. Non. S'il y en a qui ont peur ou qui veulent arrêter, ça ne va pas bien. On n'a surtout pas le casque. Vous levez la main, vous m'appelez si vous voulez, on n'enlève pas le casque. Ok? Fermez les yeux. Sinon vous verrez des vrais zombies. D'accord. On est bon? Il y avait pas un truc Heroic Fantasy, mais c'était quoi? Il n'est pas encore sorti le jeu. Ah, mais c'est quoi sinon? C'est un jeu comme Harry Potter, on va dire, avec des sorts, etc. Y'a pas un 60 comme ça. Merci, si un jour vous l'avez. Ah bah d'accord, ouais, je vais être très. Moi je connais pas l'histoire de Harry Potter, c'est possible. C'est un tour de l'homme. Je connais quasiment tous les sorts de Harry Potter. Ah oui, un spectre détruit tout le monde. On est tous en nage, mais ah ouais, c'était super, hein, on
on s'y croit. Hein. C'est vrai que bon, Daniel s'y croyait encore plus que les autres, il mettait même, des coups de pied. Bon, il a vu que ça marchait pas, mais il continuait quand même. Non, c'était... Ah, le jour où on a les capteurs partout, là, ça va être génial. Là, mais déjà, super, franchement, la quête, là, celle-là, déjà, elle est sympa, là, le niveau, là. C'était... Pardon ? Ah ben j'espère bien. Et c'est déjà pas mal, c'est super. Et ça c'est des jeux qui s'adaptent en fait à la surface que vous avez, tout ça. 5 affiches et positionné au endroit spécifique. D'accord. Sans ça, il n'y aurait pas de temps. C'est des gens qui viennent exprès de Paris, etc. Ah, okay. Chaque pièce différente. Donc après vous pouvez l'agrandir, il suffit qu'ils déplacent les affiches. En tout cas, super. En tout cas, merci pour cette expérience. C'était génial. Ouais, je peux que conseiller. Après, c'est difficile à travers une vidéo hein, de retranscrire vraiment ce qu'on a vécu. Hein, mais bon, j'espère que... Venez essayer. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Venez essayer. C'est autre chose que la VR sur la maison, on va dire. Hein. Là, on partage une mission, on communique entre nous, on se voit, on se reconnaît, il y a les noms au-dessus de la tête, ça c'est sympa aussi. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment pensé à tout. Et voilà, un quart d'heure, 20 euros, 30 francs, venez. Pour des zombies qu'on a abattus. Ouais. Et on va voir les scores pour voir qui a fait le plus beau carnage. Robert, t'as serré le cul, c'est le patron. Alors, que le gars, il parle. Et moi, du coup, quand je suis parti, je suis là. Et on choisit, il y a écrit nom ou mode joueur. Et mode joueur, c'est le QR code qu'on a ici. Okay. Et ça cumule des data données, si vous voulez. Et plus vous jouez, vous êtes point. D'accord. Et après, dans le profil, on peut changer carrément la progression de niveau. Mmh. Chez chaque niveau, on peut débloquer des personnages. D'accord, vous évoluez votre avatar. C'est ça. D'accord. Et il n'y a pas que les avatars, il y a aussi les. Il y en a plein. Avatar, art, je tout, quoi. Il y a aussi. Le laser qu'on a, qu'on obtient à la fin, par terre. Évidemment, on peut changer la couleur. Ah ouais ? Ouais. Avec moi, je peux réchauffer la terre, c'est beaucoup plus facile. Et après, l'arbre, il y en a plein aussi, plein d'arbres. D'autres arbres. Plus on monte de niveau, plus on débloque des choses. Ah ouais, c'est sympa. Et c'est des scores qui sont nationaux. Hein. On peut regarder les stats, soit les parties globales de tous les joueurs. Mais ça, pour ça, il faut créer un compte. Oui, c'est l'application directement. Je pense à partout, écoute. Ça va venir. Ah ouais, mais j'ai hâte. Non, mais. C'est toi qui a gagné, c'était qui en premier? Ah, c'était Robert. C'est le président. Ah bon, pardon. Ouais, parce qu'on t'a laissé. Ministre. On t'a laissé gagner. Ouais, j'ai démerdé, j'ai tiré au mieux. Second. C'est le troisième. Troisième, c'était qui? Daniel, non? Ouais. Aussi. Daniel. Ouais, le score est parti. Ouais, c'est Daniel. Et en même temps, c'est expert en jeux vidéo, autant qu'il joue. Alors, Robert premier, Fred deuxième, Daniel troisième, quatrième Antoine, cinquième Julien. Et... Ah, t'es devant Julien quand même. Comme quoi, toi, les FPS, c'est ça. Ouais. C'est pas ma cam, toi, dès le départ. Charlie, il est éliminé. Ouais, avant, je me suis éliminé moi-même. Ah ouais, d'accord. J'étais en deuxième position quand je suis parti. Mais bon. Moi j'ai bien recommencé. Ouais, un autre jour on fera. On reste quand même dans du virtuel, on voit que ce sont des personnages virtuels, c'est pas encore de la réalité pure, mais j'ai peur du jour où on arrivera à modéliser vraiment des personnes. Vraiment, ouais. Je pense qu'on a déjà la puissance qui existe pour le faire, mais le jour où ça arrivera. Ça va faire un malheur, hein. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très distrayant. Et bon, un quart d'heure, c'est bien. Je pense qu'une demi-heure, on devient fou. et c'est très sportif. Et heureusement que la salle, elle est pas plus grande que ça. Sinon, on aurait. Enfin bon, la prochaine fois, peut-être qu'on fera un peu plus de sport. C'est bien. Voilà. Hein, ça a double utilité. Bon, merci beaucoup, c'est Kevin. Et merci la Corsica Arena, très très belle initiative et ça va évoluer. Hein, donc on vous tiendra au courant. Allez, bye bye. Bye.